Elle est également dans l'actualité de ce mois de septembre. La quasi-totalité des étudiants lillois a désormais repris le chemin de l'université. Et pour la 8e année consécutive, donc hier soir, la mairie de Lille organisait sa traditionnelle soirée de bienvenue aux étudiants à la gare Saint-Sauveur. En première partie de soirée, plusieurs stands étaient à destination des étudiants pour leur donner toutes les informations pratiques dans l'agglomération lilloise sur les moyens de déplacement, le logement ou encore les jobs à pourvoir cette année. Pas mal d'associations étaient là aussi pour aider tout ce petit monde à passer une bonne année scolaire. Et après cela, en deuxième partie de soirée, place tout de même à la fête avec quelques concerts pour démarrer l'année dans une bonne ambiance. Mathilde Espinas y était également pour Grand Lille TV et elle a rencontré quelques étudiants sur place. On a vu les affiches, donc on s'est dit pourquoi pas. Donc on est venu voir, on a entendu parler des stands. Donc on voulait faire notre petit tour et puis après il y a le concert qui nous intéresse aussi. C'est juste par curiosité, on a eu des flyers à la fac qui nous incitaient justement à venir pour la soirée des étudiants lillois et on s'est dit avec mon ami par curiosité on va venir voir ce qu'il y a et pour l'instant on vient juste d'arriver donc on ne sait pas trop mais il y a pas mal d'informations sur la ville de Lille, sur toutes les sorties, donc ça a l'air bien intéressant. On fait souvent ça parce que vu qu'on essaie de faire parler de notre association, etc., de trouver des jeunes qui ont la motivation d'accompagner un jeune qui est en difficulté sociale, scolaire, etc., c'est plutôt pas mal pour se faire connaître et trouver des bénévoles.